vlog. On va aller visiter Melbourne. Ça fait un peu moins d'une semaine qu'on est arrivé. On n'a pas vlogué pendant quelques jours parce qu'on était en train de rechercher du taf. Donc on a imprimé plein de CV et on est parti distribuer plus sur internet. Donc pour l'instant on n'a pas de réponse, on attend encore. Et vu qu'aujourd'hui c'est dimanche et que tout est fermé, on a décidé de partir visiter donc Melbourne. Je vous fais un room tour après, mais en gros on a trouvé des chambres dans une share house, c'est un peu comme une coloc. Et du coup on n'est pas dans Melbourne même, on est un peu en banlieue. Tiens, qui voilà? Oh, tiens. Et là, qui voilà? Inspecteur Gadget. De bonheur et de bonne humeur. Alice nous a préparé une petite liste de choses à faire. Oui. Apparemment, elle a pris tous les trucs gratuits, j'espère. Ah oui. J'ai fait une petite sélection de trucs de Noël un peu. Mais non. Pour être en mode Noël, ça va être sympa. Oui, en vrai, c'est grave cool parce qu'à Melbourne, il n'y a pas tant que cette déco. Bah, dans les rues. En fait. Ah bon? C'est juste qu'on n'a pas été dans l'endroit finalement. Bon, bah, du coup, Noël vibe, hein, parce que Noël, c'est quand même dans. Que quelques jours, moins d'une semaine. On a combien? C'est dans une semaine pile. Putain. C'est passé trop vite. Ouais, j'étais pas vraie, toi non plus. Mais on n'est pas en mode Noël là. Et déjà, il fait encore jour à 20h, 21h presque ici. Donc, c'est pas Noël. On n'est plus en hôtel et ça, c'est trop bien. Comparé à Young, là, le dortoir de 12, c'est fini. Ouais. On est deux par chambre. On a notre salle de bain, cuisine et tout. Enfin, on va faire un petit retour. Hein. Ouais, ça va. Pas. Donc voilà, donc maintenant je suis trop froid et du coup à 5h du matin je me suis levée et je me suis dit j'ai trop froid et du coup j'ai une nuit, je voulais pas allumer la lumière vu qu'elle dormait, du coup j'ai enlevé tous les trucs et voilà. Ça c'est les dents pour mes mains. C'est pour ça que j'ai aucune dégaine aujourd'hui. Parce que t'es une pute, parce que toi tu t'es préparée et tu nous filmes au réveil là. Bon attends, le nombre de fois où j'ai fait des intros, j'étais en dégueulasse là. C'est une pute parce qu'elle prend toute la place dans le lit et moi j'ai genre 20 cm même. Mais pas du tout hein. Je te promets. Bah mais t'as de l'autre côté. Est-ce que tu fais des câlins encore? T'es insupportable. Ouais bah oui. Ah, Lara fait des câlins la nuit. Bah oui. Elle m'a dit genre viens là. C'est pas chouette. Et pourtant moi à chaque fois je me réveille et ben je suis toute seule et genre comme ça. Non mais par contre dans la nuit tu viens quoi. Mais en fait, je me suis réveillée, les gars, et j'avais trop d'énergie, du coup, voilà. Elle est maquillée, la pute. Bah. C'est gratuit. J'avoue, c'était gratuit. Mais pas nous. Du coup, là, on est sur le balcon, qui est assez grand. Alors là-bas, c'est la chambre que je partage avec Chacha. La baie vitrée, donc derrière moi, c'est la cuisine. Et il continue, et là, il y a un couple qui s'est installé, donc c'est nos colocataires. Franchement, ça fait grave du bien d'avoir une cuisine propre, équipée. Là, c'est la chambre du couple, du coup. Là, on a un petit espace. Donc, il y a un escalier qui mène en bas. Et un escalier qui mène en haut. Donc, la première chambre, donc c'est celle de Charlotte. Bien, pour l'instant, on va changer après. Faites attention. Bordel. Bon, ok, voilà, il y a trop vite personnes dans la chambre. Voilà, c'est le salon chambre. Bureau, le lit qui est incroyable. Ouais, il a l'air incroyable. Oui, Aurélie, vous allez voir sur quoi elle dort, vous allez comprendre pourquoi elle dit ça. Alice, il y a un petit. Dans la caravane. Oui, c'est vrai, t'as raison. Alors, et le sol à la fin? Ouais, le sol, avec les blagues. T'as fait tes lits en fait, meuf. T'as fait tes lits. Donc, voilà, donc là, on a le truc sur le balcon. Des endroits orangés avec des ciments. Bon, là, c'est le bordel, ça, c'est ma zone. Une armoire, alors ça, c'est incroyable, ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas eu d'armoire. Une suite, ensuite le luxe, la salle de bain dans la chambre. Donc la douche toute basique, toilette et le lavabo avec un grand miroir et ça c'est incroyable les amis, c'est trop bien, voilà, incroyable. Ça se fout ma gueule par ici. On va aller voir leur chambre de merde là au premier étage. Donc on monte l'escalier. Hop.
voici la chambre des filles. Très lumineux. Le lit d'Alice. Avec le placard et tout. Elles ont choisi des tapis, les filles, pour décorer. Elles ont chouré un peu près. On a tout chouré. Voici notre nouvelle bougie, notre nouvelle plante. On a volé une petite lampe. Les tapis, les draps, les coussins. L'armoire. L'étagère. L'armoire aussi, c'était le meuble qu'elle était. Donc vas-y, tu peux nous présenter ton lit, s'il te plaît. J'ai droit à un matelas gonflable. Wouhou! Non, on va la tourner toutes les semaines. Et oui, oui, oui. C'est moi la première. En vrai, il est pas si mal, sauf que j'ai super froid. Parce que c'est pas une couette en fait, c'est un plaid. Oui, c'est le plaid qu'on a mis. On a mis une couette. D'où ma dégaine actuelle, parce que j'ai eu froid et cette nuit, du coup, je me suis changée. Voilà. Du coup, ah, oui. Elle a pas beaucoup de vêtements par rapport à moi. Et ouais, l'armoire qui fait que je plais, c'est vite. On a ces deux chambres là pour 4 du coup, et comme je disais, on paye 116$ la semaine, donc c'est vraiment pas énorme. On divise et je vais vous montrer le bas. Donc l'escalier en mousse, j'adore. Qui mène sur du coup la porte d'entrée, la table, le salon avec une maxi télé. Ça c'est cool. Hop, il y a une buanderie. Du coup, la baignoire, mais on peut pas l'utiliser. Toilette et des lits de bouche. Alors là, il y a une radiographie, il y a 3 pour une bouche. C'est là la bouche, tu choisis en fait. C'est un peu. Et on court. Il n'y a qu'une chambre qui est occupée ici, c'est notre coloc. Ce soir, il y a le match de la France et de l'Argentine, donc la finale. C'est le seul match qu'on veut regarder. Et du coup, vu qu'on va à Melbourne visiter, on pensait rester jusqu'à 2h du mat. Parce que oui, le match, c'est pour nous, c'est le lundi à 2h du matin. Donc, là, on est en train de se préparer pour partir pendant toute la journée. Et on ne sait pas, on verra à quelle heure on revient. Voilà, ça dépend si la France gagne ou pas. J'espère qu'elle va gagner. Transition, glow up, le pouvoir de la douche, le pouvoir des vêtements. Du coup, la maison ressemble à ça de dehors. Hop. Et là, on va marcher, peut-être prendre un bus, on sait pas. Et après, on prend le métro et puis direction le centre de Melbourne. Oh, putain. Oh non, tu casses les. Ça va. Tiens, ça part sur une séance photo. Et genre, tu rentres dans le métro. Je vais en faire 80. Hein, Alice, elle est investie. En fait, on ne sourit pas, on ne sourit pas. Ça, ton chien qui est mort. Tu m'as donné 4 ans. De toute façon, ça fait une heure qu'on est au terminus. Hein. Mais non, mais il y a encore des gens. Mais il y a encore des gens, mais ça se trouve, il va partir dans l'autre côté, le métro, tu sais. Mais. Peut-être se casser. Mais oui, ça fait longtemps qu'on est dans le métro. Non, mais vous inquiétez pas. En fait. J'adore le. Vous êtes incroyable là. Non, on ne sourit pas, on maîtrise le monde. On maîtrise le monde. Retourne-toi, qu'on voit ton corps. Non, mais cette scène. Nini. Je suis photographe professionnelle, ok. Ça fait 10 minutes qu'on est à l'arrêt dans le métro, je dis aux filles, putain, mais non, c'est sûr, le terminus. Non, t'inquiète, on repart de l'autre sens. Pourquoi on a resté? On a fait des putains de photos pendant 20 minutes. Non, mais trop que non. Le train, il avance. Let's go. Attendez. J'espère qu'il va le monter. Tout moment, c'est pas le bon.
Thomas, c'est pour toi. Thomas, c'est pour toi. C'est incroyable. Ce serait pas Noël, pardon. Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est mon côté du magasin. C'est magnifique. Tu ? Je vais faire passer. On est prêt, iconique. Ouais. Attends, on va pas tout notre. Attends, j'en sais d'après. Ah non, je vous croise à moitié à poil. Je suis pas à poil, moi. Donc, transition glow up. Glow up. Le pouvoir de la douche. Le pouvoir des vêtements.